Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du mode à la mode. On se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, sur rFactor 2 pour découvrir ensemble en quelques minutes le contenu d'un nouveau mode disponible dans la description et bien sûr sur le workshop officiel du jeu rFactor 2. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du mode F1 96 qui est sorti depuis quelques temps mais qui est passé en version 1.01 depuis quelques jours. Il fallait donc le tester. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines de cela, eh bien, je vous avais proposé un test qui regroupait un mode, l'un des modes proposés de manière payante par l'un des développeurs de modes sur, à l'époque, Assetto Corsa. Et j'avais été plutôt déçu du contenu de ce mode. Il y avait la saison 95 et 98. Il fallait donc revenir à des choses un peu plus sérieuses, les modes gratuits de qualité. C'est pour cela que nous sommes ensemble aujourd'hui. Alors vous allez voir différentes vues qui ont été prises pendant les quelques courses que j'ai effectué avec ce mode, et on va passer en revue tout d'abord l'histoire de cette saison 96 et ensuite nous parlerons à proprement dit de ce mode qui, comme je le présente actuellement, peut encore évoluer. Donc si cette vidéo date au moment où vous la voyez, eh bien il est possible que ce mode ait encore évolué. Pourquoi? Eh bien parce qu'on le doit à différentes personnes qui sont assez connues. On connaît l'équipe d'ASR Formula qui crée des voitures payantes depuis quelques temps, notamment pour Assetto Corsa. Il y a également GP Team et c'est une conversion que l'on doit à Slide, et donc c'est des gens que l'on connaît, ce sont des pseudos qui sont connus dans le milieu, donc ce sont des gens à qui l'on peut faire confiance. Alors cette saison de Formule 1 1996 était la 47e de l'histoire. Elle a été remportée par Damon Hill sur la Williams Renault devant cet homme, Jacques Villeneuve, qu'on voit ici à Monza dans la chicane Ascari. Une saison qui avait été ultra dominée par l'équipe de Frank Williams puisqu'elle s'est classée avec plus de 100 points d'avance sur son équipe rivale. Bien évidemment, Ferrari qui venait de recruter un certain Michael Schumacher, champion du monde. C'était en 95 avec l'équipe Benetton. Benetton qui d'ailleurs cette année-là, si je ne dis pas de mémoire, est devenue italienne et non plus britannique comme c'était le cas depuis sa création dans les années 80. Une saison qui comptait donc 16 Grands Prix, un championnat qui a donc été remporté par, je vous le disais, Damon Hill pour quelques points quand même devant Villeneuve. Schumacher n'avait plus vraiment son mot à dire. Une saison donc de 16 courses qui avait été marquée par quelques événements, notamment la victoire d'Olivier Panis, et c'était au volant de la Ligier en 96. Une année également qui aura été marquée par pas mal de nouvelles évolutions au niveau de la sécurité depuis le décès de Roland Ratzenberger et d'Ayrton Senna. Et il y avait le rehaussement de certains morceaux de l'habitacle en 95. Ici, on a étudié ça un peu moins à la va-vite, on a fait quelque chose de beaucoup plus complet. Alors aussi la disparition de différentes équipes par rapport à 95, Simtek et Pacific ne sont plus là. Forti va faire une partie de la saison aussi avec pas mal de pilotes différents, c'était vraiment compliqué. Suppression des préqualifications également. Voilà, donc ça c'était pour la partie histoire de cette saison 96. Je sais que certains y tiennent, moi également, puisque ça fait un peu partie de l'ADN de cette chaîne. Et je tenais, quand je présente un mode d'une saison, à retracer quelques moments, quelques points de cette année, en tout cas de l'année concernée par le mode. C'est un mode qui est donc développé uniquement pour rFactor 2. Il est gratuit, disponible comme je le disais sur le workshop, donc uniquement clic, hop, et c'est téléchargé, c'est très pratique. Nous avons l'ensemble des voitures qui a composé cette saison avec des modélisations 3D spécifiques à chacun des modèles. Ce ne sont pas simplement des skins, donc les châssis sont tous représentés. Il y aura bien évidemment toutes les équipes, tous les pilotes avec leur casque, leurs gants et même deux possibilités, celle de rouler soit avec les voitures aux performances de la saison ou bien à performance égale, ce qui peut être intéressant si vous souhaitez, pourquoi pas, lancer un championnat. Ici, petit anachronisme avec la Forti sur le circuit d'Adélaïde qui a été remplacé la même année par Melbourne. Ne vous inquiétez pas, Melbourne, on va y venir très vite. Alors, c'est une voiture assez intéressante à piloter, cette voiture de 96, parce qu'elle était équipée soit d'un V10, comme la plupart du peloton, ou encore par un V8. Donc ça donne des comportements différents. Alors au niveau des V8, deux équipes en étaient équipées, je crois c'était Minardi et Arrows Footwork qui étaient équipées, je crois, des V8 Hart, moteur Hart, ou des V8 Cosworth, Ford en tout cas. Donc c'était assez particulier de tester cette saison parce que j'avais vraiment envie de mettre la main sur des voitures de Formule 1 des années 90 qui en avaient sous le capot. Bien, je n'ai pas été déçu parce que si on parle tout de suite du point le plus intéressant, c'est-à-dire le comportement des voitures, eh bien il y a de quoi être satisfait puisque chacune des voitures, quand vous évoluez en performance différentes, spécifiques, eh bien, vous donne un comportement qui est plus ou moins intéressant selon son niveau de performance de la saison. Évidemment, quand on débute une course, comme c'est le cas pour ces vidéos, avec une grille préformée, parfois on peut retrouver une Minardi, une Forti ou une Ligier en pole position. Et vous le voyez rapidement, les Ferrari, les Williams, les Benetton reviennent sur le devant de la scène. Départ du Grand Prix de Melbourne maintenant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu gère extrêmement bien le grip avec les pneumatiques. Le mode est à ce niveau-là aussi bien réussi. On peut sentir le comportement de la voiture avec précision. Malheureusement, c'est une précision que l'on perd un peu dans le force feedback. Alors, vous l'avez vu, je le précise une nouvelle fois, je roule ici avec le Thrustmaster TGT. Malgré le temps de remise à niveau un petit peu du force feedback en fonction du mode, j'ai pas vraiment trouvé de choses satisfaisantes dans le FFP pour lire les informations de la voiture. Donc, j'étais un petit peu sur un force feedback simpliste. C'est sans doute du au force feedback du mode, puisque sur les autres voitures je n'ai pas forcément ce problème. On le verra avec les GT3 sortis officiellement par Studio 397. Ici on a un force feedback qui est très classique et qui rappellera évidemment les jeux sortis à l'époque sur PlayStation, et c'est vrai que c'est un petit peu le but pour nous, nostalgique déjà du championnat IRL, mais de retrouver aussi un petit peu ces jeux des années 90 que l'on avait et qui étaient assez visuellement pauvres. En tout cas la 3D était à ses débuts et c'était compliqué, alors que là c'est compliqué également pour l'une des Jordan, c'est le Barrichello qui a perdu son museau. Donc effectivement, au niveau du comportement, chaque voiture est spécifique, c'est pas très simple de les prendre en main. Alors là je roule avec le contrôle de stabilité en bas, ce qui est nécessaire pour ne pas me mettre dans le mur, parce que sinon il faut travailler pour les tenir en piste. Mais c'est ça qui est plaisant quand on a le temps évidemment de préparer les voitures. Au niveau des spécificités techniques de mise au point, tout est évidemment disponible, c'est très complet, c'est très agréable. Les voitures n'ont pas non plus toutes le même volant ou le même dashboard, ça c'est aussi une préférence que j'ai notée, notamment cette Sauber, qui a le panneau digital absolument magnifique en cerclage, c'est vraiment l'un de mes dashboards préférés en tout cas sur le mode. Mais la Williams aura aussi son tableau de bord digitalisé, etc. etc. Quelle transition parfaite! Pas vraiment de différence non plus au niveau du comportement des pneumatiques. Je crois que tout le monde cette année était encore chez Goodyear. Bridgestone n'était pas encore arrivé. Donc c'est arrivé l'année suivante en 97, si je ne dis pas de bêtises, ou 98 à vérifier. Je ne peux pas non plus tout savoir, que voulez-vous, je fais des erreurs, je suis humain. Alors on va avoir droit à une IA qui s'en sort bien malgré quelques petites erreurs parfois. Selon les pistes que vous empruntez, ça reste tout à fait équitable, logique et correct. Les voitures que vous voyez actuellement évoluer sur la piste sont plaquées au sol à un niveau de 105%. Ça vous donne un peu une idée du comportement des voitures. On passe maintenant, si vous voulez, au détail avec le soin apporté au son. Je vous laisse profiter un petit peu d'ailleurs de la vue on-board. On revient dans quelques secondes. Une ambiance sonore convaincante. Pour le prix, une fois de plus, je le rappelle, c'est un mode qui est gratuit. Alors pourquoi se plaindre? Effectivement, il y a quelques jours, le mode payant que je vous avais proposé avait des défauts que l'on peut peut-être même retrouver ici ou qui ne sont même pas présents. Et finalement, le résultat, cela donne quoi? Ça donne un mode gratuit, convaincant, très immersif et très agréable de par le comportement de l'IA, de par l'immersion sonore, de par le force feedback. Il n'y a pas grand chose à reprocher à ce mode, sincèrement, si ce n'est peut-être quelques détails de modélisation 3D qui sont un petit peu pâteaux parfois, quelques problèmes également au niveau du comportement de l'IA, comme vous avez pu le voir, mais globalement, ça reste un excellent mode à tester si vous êtes fan d'rFactor 2. Je rappelle évidemment que je suis ici sur DirectX 9 et que si vous êtes sur DirectX 11, eh bien ça peut être un petit peu plus intéressant visuellement que ce que vous avez actuellement sous les yeux. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce court et bref épisode du mode à la mode. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous conseille vivement de tester ces bolides sur rFactor 2. On se donne rendez-vous très vite pour vivre de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quelle que soit votre simulation favorite. À la prochaine, au revoir.